Golf Mag vous est présenté par La Forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission est enregistrée sur les sites du club de golf de Napierville. Golf Mag, cette semaine, on poursuit notre périple aux quatre coins de la province. On se transporte sur la rive sud de Montréal, à une trentaine de minutes du pont Champlain. On vous fait découvrir le club de golf de Napierville, qui a ouvert ses portes en 1976 et qui a non seulement gagné en maturité, mais également en beauté. Vous allez découvrir ça. De plus, notre pro maison, Jérôme Blais, nous donnera de précieux conseils sur comment réussir ses coups d'approche. Bon Golf Mag! Le club de golf de Napierville est un parcours anormal 72 s'allongeant jusqu'à 6397 verges. Dans les années 90, le parcours a subi une cure de rajeunissement. On y a refait plusieurs verres au plaisir des golfeurs. On en a profité pour creuser des lacs dont certains sont agrémentés d'une belle fontaine. Les sentiers de voiturettes ont été retracés. Le chalet n'a pas été en reste. On a revampé la décoration de la salle à manger et en 2005, on y a ajouté une superbe terrasse sur plombant le 18e trou. Le club de golf de Napierville se distingue de plusieurs façons, ne serait-ce que par la différence entre ces deux neufs. Le premier neuf est plus long en termes de distance à parcourir, mais il est également plus large que le deuxième neuf. Sur le neuf de retour, vous allez remarquer, il y a beaucoup plus de lacs. Il faut jouer du golf de type ciblé, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus target, si vous me permettez l'expression. Et ce qu'il faut surtout ajouter, c'est qu'au cours des cinq dernières années, on a transplanté pas moins de 1200 arbres sur le parcours, ce qui augmente le relief et qui agrémente évidemment une partie de golf avec cet environnement verdoyant. Un des plus beaux trous du parcours est le sixième. Cette normale 4 de 367 verges est légèrement coudée à gauche. Le plus spectaculaire, c'est son entrée au vert. Celui-ci est bien protégé par un lac à droite et des fosses de sable. Il est le trou le plus difficile du terrain. Le dixième aussi vous demandera précision, puisqu'un immense lac est en jeu sur votre coup de départ. Cette normale 5 de 490 verges se termine par un verre légèrement surélevé et bien protégé. En compagnie de Mario Poulin, qui est directeur général ici au club de golf de Napierville. Mario, moi, ça faisait un bout de temps que je n'étais pas venu ici. Puis, à ma grande surprise, le terrain a bien changé et bien changé du côté positif, c'est-à-dire qu'on sent vraiment l'ambiance de golf, puis on remarque aussi une belle qualité de terrain. Qu'est-ce qui a été fait ces dernières années pour offrir ce genre de beau parcours-là? C'est sûr que depuis 6-7 ans, il y a eu beaucoup d'améliorations. On a planté environ 1200 arbres. À part ça, on a refait des verres qui ont été faits dans les années 80. On a creusé des lacs qui ont été faits dans les années 90. Et Watson, qui est venu nous dessiner quelques trous avec des changements de verre, a beaucoup amélioré notre terrain. Parmi les modifications apportées au terrain, vous êtes ici depuis près d'une décennie. Quel est l'aspect selon lequel vous êtes peut-être le plus fier dans les réalisations apportées aux modifications? Le plus fier, c'est certainement les améliorations, surtout la plantation d'arbres qui nous a vraiment... Ça va changer complètement le look d'ici 7-8 ans. On va avoir un terrain qui était normalement très ouvert. Ça va devenir un très beau terrain. On a planté plus de 700 chênes rouges. Ça va devenir des superbes en automne. C'est quoi le défi dans les années 2000 que l'on vit actuellement pour vous, directeur général, de maintenir des qualités de terrain, de parcours à travers, évidemment, les coûts qui augmentent, la clientèle qui est plus exigeante? Comment vous arrivez à attirer votre épingle du jeu? C'est sûr qu'on est rendu avec une école de golf qu'on a instaurée l'an passé, en 2015. On veut avoir la clientèle jeune. C'est vraiment ça. On veut que les jeunes prennent la relève, que ça devienne un sport familial. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Et donner qualité-prix, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la région Montérégie, là. C'est vraiment ça qu'on recherche.
Et je crois comprendre également qu'il y a comme une forme de collaboration avec la municipalité non loin d'ici, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites exactement? Bien, ils payent en partie, mettons, pour les inscriptions, les frais d'inscription, bien, la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville remettent à 100% les camps de jour. Ah oui. Donc, ça vous assure d'une relève à court terme et moyen terme, dans exact, sens? Exact. Les gens viennent à Napierville, pourquoi? C'est quoi l'expérience qu'on vient chercher à Napierville? Bien, c'est quand même un beau défi du débutant qui peut jouer à 5800 verges, aller jusqu'à 6400. Puis, au point de vue qualité de terrain, nos allées et nos verres sont impeccables. C'est ça. On veut garder une qualité-prix, là, que ce soit excellent pour le golfeur. Et vous avez aussi l'avantage d'être situé à, j'allais dire, un coup de départ du centre-ville de Montréal. Oui. C'est ça. On est pratiquement en dedans de 30 minutes du pont Champlain, puis 15 minutes de la 30, fait que c'est facilement accessible. Ça se fait rapidement. Oui, oui. Mais Mario, merci pour l'accueil. Merci, Daniel. On va inviter nos téléspectateurs à venir découvrir ou redécouvrir le club de golf de Napierville. Merci et on vous attend. Restez là. Après la pause, Golf Mag vous revient avec encore plus de golf. Je suis en compagnie de l'enseignant en titre ici au club de golf de Napierville. C'est Kevin Poulin. Kevin, qui est un jeune enseignant, comme vous pouvez le constater. C'est arrivé comment ici, ce nouveau programme qui est tout à fait récent? En fait, c'est un programme de 2015. On s'est fait engager, nous autres, par le club de golf. Puis on donne des cours là, à des enfants là, qui vont de 6 à 18 ans, en fait. Puis notre grande force, nous, ici, c'est les camps de golf. Donc, les camps de golf, c'est du matin à l'après-midi. Donc, de 9 h à 4 h, les jeunes font du golf du lundi au vendredi avec deux enseignants et un moniteur. Les enseignants, il y en a trois. Il y a Yvon Roy, Denis Roy, qui sont deux enseignants depuis plus d'une trentaine d'années. Puis il y a moi, qui est la troisième roue. Là. On essaie de traverser notre passion du golf par la simplicité. Donc, les jeunes, on ne va pas dans l'ultra technique. On fait en sorte que les jeunes apprennent le golf facilement. Donc, on rend le golf, le jeu, facile. Et jusqu'à maintenant, Kevin, comment ça se passe? Est-ce que les jeunes ont une bonne réception de vos cours? Oui, on a une très bonne réception. Avec la modalité qu'on a avec Saint-Cyprien, c'est une bonne réception. On a quasiment doublé nos inscriptions de la première à la deuxième année. Donc, on va en expansion, puis on améliore nos services. Donc, vous sentez l'engouement, là? Oui, on a un très bon engouement. On a hâte à la troisième année. Nous, on commence avec des jeunes qui n'ont jamais touché des bâtons, puis à la fin d'une semaine, ils sont quasiment capables de frapper 150 verges. Des jeunes qui sont 7-8 ans, là, qui frappent des beaux drivers, 150 verges, bien droit. Donc, l'immersion, là, ça fait du bon travail. Et ton cheminement dans le golf, toi, il vient d'où? Moi, j'ai commencé à peu près à 6-7 ans à suivre des cours. Puis j'ai vraiment commencé à encadrer mon père. Donc, j'allais le suivre sur le parcours. Je marchais. J'avais mon petit facette dans son sac. Puis quand les adultes ne pouvaient pas jouer, moi, je frappais ma balle. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au golf. Et ta passion va se transposer jusqu'à l'université prochainement? Oui, exactement. Je vise jouer universitaire là, sur les circuits RSEQ avec l'université, donc là, avec la HSC. Et Kevin, c'est ensemble qu'on va jouer le trou de la semaine? Oui, le trou de la semaine, c'est le 17e trou. Un par 4, coudé vers la gauche avec des beaux obstacles pour le deuxième coup. Avec un golfeur gaucher à part de avec ça. Avec un gaucher avec ça. J'ai hâte de voir ça. Voici maintenant notre trou vedette de la semaine. Le trou numéro 17 est une normale 4 de 364 verges coudée à gauche. L'allée est plutôt étroite sur le coup de départ et bien qu'on ne voit pas le vert, il faut être précis pour se mettre en bonne position si on veut une bonne entrée au vert qui est bien entourée. Ah, Kevin, tu m'as réservé un beau petit trou comme trou de la semaine ici à Napierville. On approche de la fin du parcours, on arrive au 17e. Je pense que c'est un excellent trou de golf. C'est une belle normale 4. Oui, c'est une belle normale 4, coudée vers la gauche avec un lac qui est à peu près à 260 verges. OK. Là, on a un vent de face, un vent qui va contrer. Puis avec un bois d'allée, là, si tu frappes un 230, 240, il va te rester un wedge d'allée, là, puis tu vas pouvoir faire une belle shot vers le vent. Trou coudé à gauche pour un golfeur gaucher, donc tu as choisi un peu pour t'avantager, j'imagine. Au contraire, moi, c'est mon coup inverse. Moi, je suis quelqu'un qui frappe de gauche à droite avec
un petit crochet gauche-droite. Donc, je t'ai donné un petit peu la chance là, à frapper avec un drap. Là. On verra pour la suite. Moi, ce que j'aime beaucoup du terre de départ ici, en fait, je devrais dire des terres de départ, c'est que oui, c'est étroit au début, mais il semble y avoir pas mal de dégagement par la suite. Oui, tu as bien raison. En fait, quand on arrive après ça sur notre deuxième shot, c'est assez ouvert. On a un obstacle avec un arbre à droite du lac. Avec le lac, ça donne une belle visibilité sur le trou puis sur le fanion qui va être bleu aujourd'hui. Puis on a un verre qui est assez dénivelé avec une bonne pente, dans un bon deux plateaux, là, si tu veux, sur le verre. Et qu'on parle ici d'un verre qui est extrêmement bien protégé. Là. Oui, bien protégé, avec une trappe de sable juste l'autre côté du lac, ouais. Le lac, puis une bonne dénivellation et la trappe de sable en arrière du green. Alors, du terre de départ ici, quelle serait la cible idéale au loin à se donner? La cible idéale, là, c'est où est-ce qu'il y a les deux arbres qui se croisent là, pas là, en ligne avec le piquet du 150. Ouais, ouais. Ça, c'est la cible, là, si tu veux vraiment couper le coin vers la gauche. Parfait. C'est un peu serré sur le bois à gauche. Un petit peu serré. Sinon, tu peux partir plus à droite là, puis avoir une deuxième shot un petit peu plus long. Excellent. Alors, je te laisse les honneurs, mon cher. Super, merci. Oui, monsieur. Ah, solide. C'est pur, ça, mon ami. C'est très solide. Bien joué. Merci. T'as bien frappé, celle-là. Tape là-dedans. Frappé ça comme si t'étais dans le champ de pratique, là. Ouais. Pur et droit. Ouais. Je vais essayer de suivre la même trajectoire que toi. Ça me semble être parfait. Cependant, ma cible, je dirais peut-être un petit peu plus à gauche. Plus risqué avec le bois ici, là, mais les deux arbres qui dépassent au loin, ça serait ma cible idéale, ça. Oui, c'est la bonne place. C'est une bonne ligne. Excellent. Beau, Daniel. Merci. Kevin, il me reste 129 verges à mon deuxième coup. J'ai atteint l'allée. Oui. Mais j'ai quand même une belle surprise devant moi. C'est ce que je te disais sur le départ, l'arbre à droite, surtout avec un drapeau bleu comme ça, il est dans les jambes. Tu vas avoir une shot dans les airs à faire. Là. Ça faudra que ça lève. Le problème, c'est que c'est pas de réaliser le coup qui est difficile, c'est le côté intimidant de pas voir la cible. Exactement. C'est difficile, t'as pas de repère là, à t'enligner, donc ça va être un bon défi. Alors, je vais essayer de jouer au-dessus de l'arbre, mais on s'entend là, que ma position... safe. Oui, c'est sur le verre. C'est sur le verre, ouais. Peut-être à gauche. Oui, à gauche de la pine, t'es correct. Parfait. Vas-y, Daniel, je te laisse. Je vais essayer avec un pitching wedge, juste grimper ça, puis sur le verre n'importe où. Exactement. Ah, belle shot, Daniel. Ouais. Prendre ça là. Celle-là. Ouais. Alors, Kevin, ta balle aussi se retrouve dans l'allée, à peu près quoi, à 125 verges? À peu près 125 verges, oui. Mais ce que j'aime surtout de ta position de balle, c'est que tu as un bien meilleur angle d'attaque que ce que j'avais. Oui, mon angle est assez intéressant avec... j'ai pas trop l'arbre dans les jambes, puis je vais pouvoir rentrer avec un petit crochet gauche-droite, ma shot naturelle. Ben oui. Puis je vais me sentir en confiance. Alors, je vais te laisser attaquer la cible parce que t'as... La ligne est agressive. Ah, vraiment, c'est vraiment intéressant comme coup. Ah, ben, j'y vais. Ah oui. Ah, que c'est bon. Ah oui, sois belle. Oh, très beau coup avec l'effet à part de ça. Magnifique. Excellent. Bien joué. Merci, Daniel. Bien joué. Restez là. Golf Mag se poursuit après cette pause en provenance du club de golf Lévis. Kevin, je pense qu'on a été surpris par l'effet de nos balles, hein? Oui, ça a reculé, surtout la tienne, a reculé beaucoup, la mienne. Bien, regarde, la tienne, j'ai l'impression qu'elle est tombée pas loin du fanion, puis elle est rendue sa frise. Oui, c'est... l'est mal jugé, je pense. Ah, oh, tu l'as bien frappé pourtant. Oui. Parle-nous ça, des beaux verres réceptifs comme ça. Oui, c'est le fun. Dis-moi donc, vas-tu garder le fanion? Moi, je vais l'enlever. Donc, je pense que ça va être à toi, Daniel. Oui, c'est moi le plus loin. On va me prendre une bonne lecture d'ici, là. C'est bon? Ouais, merci.
Moi, sur des longs roulés comme ça, ce que j'aime faire, c'est de marcher ma distance entre ma balle et le trou. Question de savoir, de sentir avec les pieds surtout, ce qu'il peut y avoir comme pente autant d'un côté ou de l'autre et en montant ou en descendant peut-être vers le trou. En apparence, à l'œil, il a l'air à pencher à droite, mais j'ai l'impression qu'il monte un petit peu, puis après ça, ça coule droit vers le trou. Et l'autre point très important pour moi quand j'effectue un coup roulé, c'est que je ne regarde pas ma cible au loin. Je me donne une cible intermédiaire, surtout sur un long roulé comme celui-là, et je fais confiance à ce point intermédiaire-là. Et mon objectif, c'est d'envoyer ma balle vers ce point intermédiaire pour que la balle poursuive son chemin, j'espère, jusqu'au fond du trou. Oh! Belle vitesse, ça! Ouais. Sur cette pareille distance, là... Très bon pote, ça, Daniel. L'idée, c'est d'éviter les trois roulés, tu le sais, hein? Ouais, à cette longueur-là, là, le trois potes, il vient vite. Kevin, on va s'entendre, t'étais malchanceux, mais je veux connaître à quoi ressemble ton roulé. Mon roulé, de cette position-là, il va monter. Surtout avec la frise, ça va ralentir mon pote. Donc, je vais monter avec un ralentissement avec la frise, puis il va tourner un petit peu vers la droite. Donc, je devrais, là, probablement avoir un point intermédiaire un petit peu à gauche du trou, là, peut-être un... Deux balles à gauche du trou, là, quasiment. Ah ben Kevin, fais-nous plaisir, fais-toi plaisir, mets ça dedans. Je vais m'exécuter. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Oh, oh, oh! Oh yeah! Oh yeah! Super! Hey, un bird à Golf Mag à sa toute première expérience. Kevin! Hey, sais-tu quoi? Je vais finir mon par. Ouais, parce que là, j'étais bien excité, mais j'ai pas fini mon trou. Regarde, je vais la tasser. Je te laisse finir ça. Oh là là! Hé! Hey. T'as voyé grosse comme une poubelle, celle-là? Oui, oui, t'es bon. Je l'avais visualisé. Wow! Tiens. Et voilà, facile. Super, mais quel bird! Oui, un long pote. Quel bird! Hey, je veux juste inviter nos téléspectateurs. Parce qu'évidemment, toi, tu es disponible pour de l'enseignement ici. Là. Oui, oui, sur appel, en fait, au Club de golf à Napierville, on a une académie qui... C'est moi qui s'occupe de ça. Donc, sur appel, les gens peuvent venir prendre des cours avec moi sans faire plaisir. Puis, est-ce que tu vas leur enseigner comment faire de beaux birdies comme ça? Ça, je vais essayer de commencer par le potting, ça, c'est sûr. Merci, Kevin, puis bonne saison. Ça fait plaisir, Daniel. Bonne saison à toi aussi. Bravo. Bien, merci. Notre conseil de golf de Jérôme Blais est enregistré sur les sites du club de golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International, balle de golf récupérée. On s'entend tous pour dire que les coups en deçà de 100 verges, dès qu'on est en bas d'un élan complet, c'est beaucoup plus difficile d'être précis. Dave Peltz, qui est le coach de Phil Mickelson, a développé une technique qui s'appelle le système Dave Peltz. Première chose, il faut déterminer quelle distance on frappe avec nos mains à 8 heures, à 9 heures et à 10 heures. On s'installe au champ de pratique dans un coin un peu plus en retrait, tôt le matin ou en fin de journée, parce qu'on va avoir besoin d'aller marcher dans le champ de pratique pour aller vérifier nos distances. Donc, je prends une vingtaine de balles avec mon sandwich. Je frappe 20 coups avec la position de mes mains à 8 heures. Une fois que c'est fait, je vais marcher au champ de pratique. Et là, je vais déterminer l'endroit où est-ce que la moyenne de mes balles a terminé. Et là, ça va me donner la distance que je frappe à 8 heures avec mon sandwich. Pour moi, c'est une trentaine de verges. Je vais faire la même chose avec mon sandwich, mais à 9 heures. Et la même chose avec un élan complet à 10 heures. De cette façon-là, lorsqu'on se retrouve en deçà de 100 verges, on a simplement à se soucier de trois longueurs d'élan. Je prends un pitching wedge, ça va me donner différentes distances. Prends un gap wedge, ça va me donner d'autres distances. Et en variant aussi la position de mes mains, si je descends mes mains d'un pouce et je fais un élan 8 heures avec mon sand wedge, ça devrait me donner 8 verges de moins qu'avec une grippe normale. Ça fait en sorte que je peux couvrir une grande éventail de distances simplement en focusant sur trois longueurs de backswing, 8 heures, 9 heures et 10 heures. Sur ce, je vous propose de vous entraîner plusieurs heures au champ de pratique. Ayez quelqu'un avec vous qui va pouvoir voir d'un œil extérieur si vous positionnez bien vos mains à 8 heures, à 9 heures et à 10 heures. Parce que parfois, c'est un peu plus difficile
d'avoir la perception si nos mains sont dans la bonne heure. Une fois qu'on a bien entraîné tout ça, on va sur le parcours et on exécute des meilleurs coups en deçà de 100 verges. Sur ce, je vous souhaite bon golf! En termes de rapport qualité-prix, en Montérégie, le club de golf de Napierville est pas mal incomparable. Et en plus de ça, on a une super salle de réception pouvant accueillir jusqu'à 225 personnes. C'est parfait pour des mariages et même des tournois de golf. Alors voilà ce qui complète notre émission cette semaine. Avez-vous noté notre indice pour notre super voyage à Dubaï? C'est le temps de le faire. Sinon, aimez notre page Facebook Golf Mag, suivez-moi sur Twitter et on se retrouve très bientôt pour une autre émission. Bon golf! Mag vous a été présenté par La Forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission a été enregistrée sur les sites du Club de golf Lévis. Ça va être un beau souvenir. Moi, je vous présenterai les différentes séries de fer chez Nike. Bon golf mag!